أصدقاء، السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements, surtout en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Et cette 65e, maintenant, donc cette 65e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion entre nous. Le CQFD de votre bled Magharibia se consacre aujourd'hui à cette opération dite Marhaba 2021, dans laquelle désormais sont attribués des numéros spéciaux pour rapprocher l'administration marocaine des Marocains justement résidant à l'étranger, et avec en prime une toute nouvelle ligne maritime Tanger-Portimao au Portugal dès juillet prochain, alors que le Maroc avait auparavant déjà mobilisé 8 ferries et 2 nouvelles lignes maritimes entre Marseille, Tangemed et Gênes, en Italie, vers Nador. Et c'est ainsi que le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger, les MRE, a annoncé ce lundi dernier le renforcement de sa communication au niveau central et territorial en vue d'offrir une orientation ou une réorientation avec un accompagnement administratif aux Marocains du monde suite au lancement de l'opération Marhaba 2021. Et donc, cette opération s'inscrit dans le cadre de l'exécution des directives royales visant à assurer un accompagnement exceptionnel aux Marocains résidant à l'étranger, vise à coordonner les efforts avec tous les intervenants, aussi bien au niveau central, donc au niveau national, que territorial, donc régional, pour apporter des solutions appropriées aux problèmes ou autres difficultés que peuvent ou pourront éventuellement rencontrer les citoyens résidant à l'étranger, indique toujours le ministère dans son communiqué. Et à cet effet, le ministère délégué met à disposition au niveau national des numéros téléphoniques suivants. Donc toujours 00 avec l'indicatif 212 du pays, auquel s'ajoutent 9 chiffres. Et le premier d'entre eux, donc, c'est 665, 656 et 993. Le second, toujours au niveau national, toujours avec le préfixe indicatif 212 du pays. Donc le second, c'est le 661, 883, 406. Le troisième, dans la lignée, le 682, 961, 938. Et le dernier au niveau national, c'est le 767, 852 et 305. Avec en prime au niveau national, une adresse mail, donc une adresse supplémentaire
Donc, c'est morocco.project@mcmre.gov.ma. Donc, je répète, Morocco, morocco@mcmre.gov.ma. Donc, ceci au niveau central, donc au niveau national, afin de recevoir les différentes questions, demandes et toute autre réclamation des Marocains résidant à l'étranger tout au long de leur séjour au pays. Et à cet effet, le ministère délégué a mobilisé en parallèle ces services décentralisés cette fois, donc au niveau régional. Et il s'agit des maisons des Marocains du monde et des affaires de la migration à Bni Mlal, Tiznit, Nador et Khouribga, où le ministère a mis à disposition des Marocains résidant à l'étranger des numéros de téléphone et des adresses électroniques supplémentaires pour répondre à leurs questions et recevoir leurs diverses demandes ou doléances, ainsi que leurs plaintes, ajoute le communiqué du ministère. Et ce numéro à Bni Mlal, il s'agit des numéros suivants, donc toujours avec le préfixe national, c'est-à-dire le 212, et auquel viennent toujours les 9 chiffres derrière. Et pour le premier à Bni Mlal, c'est le 610 093 028. Deuxième numéro, 661 315 237. Troisième numéro, 761 512 033. Et par voie électronique, donc, le contact peut se faire via cette adresse. Maison MRE en un seul mot, donc maison MRE en un seul mot, point Bni Mlal, toujours en un seul mot, @yahoo.fr. Concernant la ville de Nador, les contacts pourront se réaliser en appelant les numéros suivants, toujours préfixe marocain, le 212, suivi de 661. 823 897 pour le premier numéro, le second est le 661 855 713. Quant au troisième, il s'agit du 661 643 935 avec en complément donc une adresse mail toujours maison MRE @gmail.com. Quant à la ville de Tiznit, elle reçoit deux numéros, les suivants, le 662, 179, 211. Quant au second, il s'agit fort probablement d'un fixe, le 528, 860, 475, et toujours cette adresse mail, maisonmre.tiznit@ mcmre.gov.ma. Enfin, pour la ville de Khouribga, les Marocains résidant à l'étranger auraient la possibilité de contacter les numéros suivants, toujours donc ce préfixe marocain, le 212, auquel on ajoute le 667 746 339 pour le premier numéro. Pour le deuxième numéro, le 687 616 427. Quant au troisième, le 641 821 076. Adresse mail, toujours maison.khouribga@mcmre.gov.ma. Bien évidemment, vous pourrez aisément consulter toutes ces informations qui sont reprises dans leur intégralité dans la description de la
présente séquence vidéo. Donc, dans la description, vous pouvez consulter pour les personnes intéressées toutes ces coordonnées. Et pour assurer bien évidemment la continuité des services liés à la réception de plaintes ou de consultations légales, le ministère de tutelle, donc des MRE, avait mis en place depuis le début de la crise sanitaire une cellule de veille et d'orientation avec une équipe disponible tous les jours de la semaine. Ainsi, des numéros de téléphone avaient été déjà mis à la disposition des MRE en vue de répondre à leurs différentes questions, rappelle ce communiqué, notant que la cellule chargée de recevoir les plaintes des MRE a continué à offrir ses services à distance. Et du côté du transport maritime, une nouvelle ligne Tanger-Portimão au sud du Portugal démarrera début juillet prochain et dont voici la séquence. Cette ligne maritime entre Tanger et Portimão au Portugal sera opérationnelle dès juillet prochain, confie Abdelkader Amara, ministre de l'Équipement et du Transport. Il ajoute, au moment de cette annonce, la directrice de la marine marchande se trouvait à Lisbonne pour mettre les touches finales à l'accord qui sera signé entre le Maroc et le Portugal, a affirmé le ministre marocain. Et selon le responsable gouvernemental, deux navires bâton pavillon marocains entreront en service sur cette ligne à raison de deux voyages par jour pour transporter quotidiennement un total de 4 000 personnes. Et la traversée entre les deux ports durera près de 7 heures et à des prix raisonnables, promet Abdelkader Amara. Le ministre a par ailleurs révélé que deux nouvelles lignes sont entrées récemment en service et il s'agit de la ligne 7 El-Husseima et de la Savone Tanger. Aussi, pour assurer le transport maritime des MRE, désireux de se rendre cet été donc au Maroc, dans le cadre de l'opération Marhaba 2021, qui a débuté le 15 juin dernier, les pouvoirs publics ont renforcé la flotte maritime entre le Maroc, la France et l'Italie, avec l'entrée en service de 8 grands ferries devant transporter entre 20 000 et 27 000 passagers par semaine. Et outre les lignes 7 en France, Tanger-Med et Gênes-Tanger-Med, le Maroc a ajouté deux autres lignes maritimes devant relier Marseille et Tanger-Med et Sète Nador. Jusqu'ici, l'opération Marhaba 2021 devait assurer seulement deux lignes maritimes entre l'Europe et le Maroc, Tanger-Med 7 et Tanger-Med Gênes. Mais le renforcement du transport aérien et maritime est intervenu suite aux instructions du roi Mohamed VI, qui a appelé à la mobilisation des compagnies de transport et de l'État pour accueillir les Marocains résidant à l'étranger dans les meilleures conditions. Et la ligne Marseille-Tanger-Med devrait être assurée par la compagnie française La Méridionale. Selon la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, le soutien financier de l'État pour accompagner et faciliter ce retour des MRE, donc avec réduction des prix de billets et mobilisation du personnel,
devrait engendrer un coût de 2 milliards de dirhams. Pour le transport aérien, 75 lignes à travers le monde seront desservies par la compagnie nationale Royal Air Maroc. Sur le plan des vols intérieurs, 20 nouvelles dessertes sont mises en place, notamment vers ou en partance de Marrakech et d'Agadir. Selon le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine de l'étranger, CCME, quelques 3 millions de Marocains du monde sont attendus cet été au Royaume dans le cadre de l'opération Marhaba 2021. Et voilà, donc, mes chers amis, c'est ici que prend fin notre séquence d'aujourd'hui à travers toutes ces informations. Et donc, nous espérons vous revoir bientôt et c'est ici que nous refermons la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir à travers votre ce qui fait débat ou ce qui fait discussion, comme d'habitude, entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Ne nous oubliez pas en nous aidant mutuellement et en partageant les séquences vidéo de votre chaîne Bled Maghribia et surtout en vous y abonnant en masse. Au revoir les amis. Al-Azdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila al-liqa fi hissa ukhra, inshallah, ma'a salama.